Bonjour. Une fonction d'un sujet de bac. Donc, ce qui m'intéresse dans ce sujet de bac, c'est le calcul de la dérivée de cette fonction parce qu'elle est demandée dans une question dans la suite. Donc, c'est là la question. Il demande montrer que g', c'est 4,1 moins t carré sur t carré plus 1. Donc, on va essayer de travailler cette fonction. Donc, sachant qu'ici, je crois qu'il ne demande pas. Table de variation, c'est-à-dire étude de signe de g'. Non, on va essayer de le faire quand même. On va essayer de le faire, ça sera intéressant de le faire. Donc, la fonction, c'est évident, u sur v. Voilà. Donc, quand même, je vais toujours faire la même chose, c'est-à-dire essayer de dériver la, enfin, regarder la forme de la fonction avant l'étude. Donc, 4x divisé par x carré plus 1. Alors, il faut juste changer l'échelle parce que là, donc y, je vais voir sur moins 10, 10. Donc ça, c'est évident, il faut savoir manipuler tout ça. Donc la fonction, elle est décroissante, croissante et après décroissante. Alors pour savoir où, donc je vais faire Shift F5. Je vais voir le max c'est en 1, et encore Shift F5, le min c'est en moins 1. Donc on a dit moins 1 et 1. Donc je vais ici tracer rapidement, hein. Moins 1, 1, F', F, donc là il s'annule. Donc on a dit qu'elle était décroissante, croissante et décroissante. Donc, je dois trouver quelque chose comme ça. Et je garde ça dans un coin. Maintenant, bon, f' de x, je m'applique bien. Donc, 4t', donc, bien sûr, là, u'v moins uv', sur v carré. 4t carré, t carré, plus 1, moins 4t, t carré, plus 1', sur t carré plus 1 au carré. Le dénominateur dans ce cas-là c'est toujours au carré, ça nous arrange, on le laisse comme ça. Maintenant je vais calculer la dérivée. Hein. Donc j'ai posé la dérivée, je la calcule. Donc ça fait 4, donc t carré plus 1 moins 4t, et je dérive ici, ça fait moins de t, à diviser par t carré plus 1 au carré. Donc ça c'est égal. Et là je développe, il n'y a plus rien à calculer. Donc je développe par 4, ça fait 4t carré plus 4. Et donc là ça fait moins 4. Donc moins 4 fois 2 ça fait 8. Et t fois t ça fait t carré. Sur t carré plus 1 au carré. Et donc ça fait moins 4 t carré plus 4. Donc si je factorise par 4, ce n'est pas une obligation, hein, mais d'après le texte, il faut demander à de montrer que c'est moins t carré plus 1 sur t carré plus 1 le tout au carré. Juste, je vérifie juste ça. Voilà, c'est la même chose. Ça, on a trouvé la même chose. Il suffit ici d'inverser. Hein. Alors, la question que vous posez sur le signe. Donc là, on a ce terme, dénominateur, supérieur à 0. Le 4 supérieur à 0. Donc, il reste hein, le signe de cette quantité-là. Toujours la même chose. Quel est le degré de ce polynôme? 2. Donc, je ne me pose même pas de question. Donc, delta. Donc b carré c'est 0 moins 4 fois 1 fois a qui est moins 1 est égal à plus 4. Alors, bon, donc c'est supérieur à 0, il y a deux solutions, etc. etc. Je peux aller vérifier rapidement avec la résolution de l'équation. Hein, polynôme, degré 2.
Donc ça fait, on a dit 1. Donc c'était plutôt moins 1. 0. Et après 1. Et donc il y a deux solutions, 1 et moins 1. Donc si je veux tracer le tableau de variation rapidement ici, donc il y a moins 1, 1. Donc déjà en comparaison avec le tableau ici, je vois qu'il y a la même chose quoi. Donc opposé de signe de A entre les racines et signe de A aux racines. Et je trouve exactement la même chose. Donc voilà. Donc mon étude est là, beaucoup de chance d'être correcte sur l'intervalle qui cherche. Voilà, donc faites très attention à cette étape-là d'étude, hein. Donc il y a toujours soit premier ou deuxième degré. Merci.